reviens avec une petite vidéo vacances, donc voilà, il est le soir, on va aller dîner ce soir, donc dehors, donc on est à l'hôtel, donc on n'a pas trop le choix que de sortir pour manger, donc je vais me faire un petit peu assez éclaté quand on a passé une journée à la mer, sauf que j'ai une tête fatiguée avec mes cheveux, c'est la cata, hein. Pendant l'été, enfin pendant les vacances surtout, je les lisse pas, je les laisse vivre comme ils veulent. Donc je vais me faire un masque autour des yeux. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci, le masque aux yeux roses. Donc c'est ultra hydratant, éclatant. Donc voilà, je vais le mettre et je reviens. Donc voilà, je les ai mis, on va attendre 15 minutes et voilà, pendant 15 minutes, on va voir si ça fonctionne ou non. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez deux petits papiers qui sont collés entre les deux, donc à retirer, hein. Faut pas les mettre avec ces espèces de papiers. Donc voilà, en attendant, je vais vous filmer ma trousse maquillage que j'ai. Donc ça, c'est l'endroit où je suis, donc c'est la partie résidence. Donc il y a toujours le petit monstre. Je vais vous filmer quand il sera jour, là où c'est la nuit. Oui, je vais juste filmer ma trousse maquillage. C'est un peu sombre là. Oui, chérie. Oui, je suis là. Ici, j'y suis assise. Donc c'est toujours comme d'habitude ma trousse, voilà. Toujours la même que j'avais acheté chez Miss IB, donc je la trouve bien. Donc je vais tourner l'écran, genre, ça sert à rien. Donc c'est toujours, je disais, ma trousse Miss IB que j'avais eu en solde, donc voilà. Donc on va, je vais faire comme ça. Donc j'ai pris avec moi des lingettes express démaquillantes yeux que j'ai toujours là-dedans. Je les ai toujours jamais encore utilisées. Donc voilà. Ensuite j'ai pris avec moi mon pinceau. C'est le pinceau Pro Kabuki de chez Sephora. Donc j'ai dit ça va faire tout en un, ça peut faire un contouring, blush, etc. Donc c'est le numéro 82 pour celles qui veulent se le procurer, et dans les moins de 30€, 27€. J'ai pris mon labello comme ça, le bleu. J'ai pris aussi mon mascara, le Great Lash, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. D'ailleurs, quand il se termine, je le rachèterai. C'est le Black et Black. Black, c'est Black plutôt. Et c'est de Maybelline, New York. Donc voilà. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup. Je l'aime bien parce qu'en fait, il a une toute petite brosse et c'est bien pour attraper les petits cils qui sont en dessous. Donc ensuite, j'ai pris avec moi un rouge à lèvres MAC. C'est le Pâtisserie. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait encore dans un emballage. Je sais pas, j'aime bien garder les emballages. Donc il est comme ça, c'est le Pâtisserie. Je sais rien que je vous montre de toute façon. Voilà, il est comme ceci. Je l'aime bien. Donc c'est un lustre. Voilà, et c'est le Pâtisserie lustre, voilà. Ensuite avec ça, j'ai pris celui-ci que j'avais acheté là, de la collection, comment s'appelle cette collection, ça c'est le Iron Head, la collection tribal là, c'est un mat. Attends chérie, je vais le montrer, merci, tu me le prêtes? Merci. Donc il se présente comme ça.
C'est une espèce de nude crème, comme ça, qui est pas mal du tout. Il efface les lèvres, mais par contre, ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un crayon contour un contour des lèvres, de la teinte un peu brun comme ça. Moi j'en ai un de chez, je sais plus, de chez qui c'était. Parce que ça date, que ce crayon j'ai fait des lustres et j'ai mis ça avec et ça passait mieux que d'avoir un petit contour de la bouche qui est un peu plus foncé, c'est mieux en fait, ça passe mieux. Ça c'est un highlighter que je ne vous ai jamais présenté parce que c'est ma soeur qui me l'a donné, c'est Hourglass. Et c'est le Inscandus Strobe Light. Voilà, là vous voyez mieux. Voilà, je vous laisse lire parce que c'est bon. J'arrive à l'ouvrir. Vous voyez, c'est une espèce de rosé. Je trouve qu'il me va pas du tout. Ma soeur a la peau blanche. Elle disait que ça lui va rien de. On voyait rien. Sur elle, moi encore moins. Franchement, maintenant que je suis mat, bof. Hein. Il est pas très terrible. Moi, j'aime pas trop. Vous voyez, il fait un peu comme ça, blanc, poudré. Je suis pas. Bof. Je suis pas fan. En tout cas, il est là. Ensuite, j'ai pris pour les yeux que cette petite palette. Parce que j'ai pas voulu prendre mes palettes Urban Decay, etc. Pff, voilà quoi. J'ai pas envie de les perdre, les faire voler ou quoi. Casser. Alors, j'ai pris de nudes. Voilà. Ça va très bien. Il y a des bronzes. C'est pas non plus que je me maquille des masses. Enfin, je viens d'arriver quoi. Avant-hier non plus, je me suis pas encore maquillée. Vous voyez, champagne, là, le doré, gold, etc. Voilà, je vais faire juste des couleurs mono, je vais pas trop m'amuser à faire des smoky, etc. Quoique. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris encore un autre rouge à lèvres. Celui-ci, c'est de chez L'Oréal. Et c'est le Naomi. C'est le Naomi's. Voilà, délicate rose. Qui est comme ça. Qui est pas mal aussi. Au final, elle porte beaucoup de choses, cette trousse. Alors, après, j'ai pris mon recours de cils, voilà, super. J'ai pris le kit de chez Colourpop. J'essaierai de vous poster la vidéo de mes liquides mat avant cette vidéo-là, comme ça vous comprendrez. Donc, c'est un kit à 18$ que j'ai acheté, en fait, les Colourpop. C'est mini en fait, c'est mini. C'est comme ça. Donc ils sont super bien, mais faites attention, quand vous tenez le tube, ne le tenez pas à l'envers parce que la dernière fois, tu vois, vous verrez, il y a tout qui s'est renversé. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui-ci de NYX, le Suède, liquide en teinte 6. Oh, pas de zoom. Vous voyez mieux, 6. C'est le. Voilà, l'heure du goûter. Le petit cookie. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris tout simplement ma terracotta comme ça. Terracotta Light Sun Brunette, la numéro 5. Elle fait office de bronzer et de blush, etc. La météorite, là, comme ça. Moi, j'utilise pour tout, voilà. Je me casse pas la tête, je fais un 3, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pris juste le pinceau, celui-ci, et voilà. Et voilà, c'est tout. Après, j'ai pris une base de teint que j'avais eu dans une box, sûrement, de la marque Burberry, la Fresh Glow, qui est pas mal. Voilà, c'est une miniature hein, que je termine. Après, voilà, il y a mon chargeur de mon appareil, photo. On se demande ce qu'il fait là. Et la base NYX. Eyeshadow base en couleur chair, je crois, couleur je crois.
crois, c'est cher. Skin tone. Ouais, teint de peau. Donc voilà, hein. Elle est vide. Après là, c'est un ticket de bus. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'ai pris donc, dans ma trousse maquillage. Et je vous filmerai après ce que j'ai pris. Parce que j'ai pris une trousse vernis et une trousse, une autre trousse soin, etc. Mais là, je m'arrête ici. Je pense, là, ça fait 9 minutes que je filme. Je vais encore attendre quelques minutes pour enlever ce masque. N'est-ce pas? Il est toujours là. Ça fait effet. Bon, il y en a qui ferment les yeux et s'allongent. Moi, je vous ai filmé. Ça, j'ai passé un peu de temps avec vous. Donc voilà, je vous reprends quand je l'enlève. À tout de suite.